What's up l'internet, ici Seth Francoeur, on est au Rockfest de Montebello. On va vous montrer ça avec des images, on va faire des interviews avec des bands. On va vous montrer à foule, on va vous faire plonger dans l'univers du Rockfest. Complètement malade mental, ça va être fou. Restez là, checkez l'émission. Quebec, I know you tour a lot around Quebec and like what every year or 2 years? Every couple of years, yeah. I mean, it's great. People are awesome. You play a show, people come stoked, ready to rock. I mean, that's the best. I love you guys around here. Yeah, people lose their minds and that's what we like. Monsieur, comment vous trouvez votre expérience au Rockfest? L'événement est incroyable! Puis, le monde sont fantastiques, tout le monde est vraiment réceptif. Tout le monde ici ce soir, mais j'ai dit ce soir, en fait, on est dans la journée. Tout le monde est là, c'est vraiment plaisant, là. Montebello représente, là. Moi, je viens de Montréal, puis c'est vraiment, là, c'est la place. C'est la place en 2014. Fitness Smashers! Woo!
Excellent spectacle cet après-midi. Comment avez-vous aimé la crowd du Rockfest? Oh mon Dieu, c'était incroyable. C'est comme... c'est comme candy. C'est comme c'est tellement facile. I mean, tout le monde est là, il veut s'amuser. C'est vendredi, c'est pas samedi. Nous sommes chanceux parce que samedi, on mange un peu fatigué. Il veut pâter un peu. Mais, yes, comme vendredi, c'est un incroyable jour de jouer ici. Oh, fucking fun. Encore cette année, vous avez réussi à faire assez tout le monde pendant Surfing in Tofino. Vous faites tout le temps ça, mais c'est une des plus grosses foules, j'ai l'impression, que vous avez jamais assis, si je me trompe, dites-moi là. Mais ça devait être dans le top 3, mettons. Sinon, c'était quoi la plus grosse foule que vous avez réussi à faire asseoir? Manu Chao, il y avait 23 000 personnes. Et il était tellement gentil. Tout le monde a... This thing was like fucking crazy. And Jazz Fest à Montréal, vraiment cool aussi. Mais celui-là était incroyable, il y avait tellement de souris, like, tout le monde sourit, they were like, ah! Mais des fois on fait le, en anglais on dit the wall of death. Le mur! There's death in the middle. Yeah, but you couldn't do it. Someone show me. Thanks bro. Okay. Ça s'est passé le retour sur scène avec The Space? Man, honnêtement, on s'attendait pas autant. Juste la réaction du monde, un accueil chaleureux, des bons shows, du bon temps, des chums. Ce gars-là, je le voyais presque... on se voit pas assez souvent, tu sais. Fait que c'est le temps de prendre le temps. Ça, vous revenez de votre tournée européenne, c'est la dernière date avec The Space, c'était ici. Comment ça s'est passé en Europe? C'est malade, là. Au début, on était rouillé, mais ça a dérouillé maintenant. Ouais. Là, on est bien loubé. À soir au Rockfest, on était bien loubé, bien dérouillé. Un peu de Obey the Brave. La transition en fait, parce que on sait vous avez tous eu d'autres bands avant. D'autres t'étais dans Blind Witness. Comment ça s'est passé la transition d'un band à l'autre? Je sais que vous connaissiez avant, j'imagine, de jouer ensemble sur plusieurs shows. Ça s'est passé comment? Blind Witness, on faisait tous des shows ensemble dans le temps. Ça s'est passé comment? Ben c'était cool, c'est sûr que c'était une chimie différente, mais ça a pris tout de suite, ça a marché là. Je connaissais, je jouais avec des amis, on avait pratiqué avant, les premiers shows, c'était le fun. Ça a décollé tout de suite, puis même encore là, j'ai autant de fun que le premier show. Ouais. C'est pas tout seul pour vrai, là. C'est genre, hey man, you wanna be in a band? Sure. On a pas fait d'audition, rien, on était juste une couple de chums qu'on voulait jouer ensemble, puis c'est aussi simple que ça, là. Parce que nous deux, on était habitués de jouer avec des blast beats, là, blast art on n'a plus, fait que moi, un petit peu moins de grind, là, mais c'est cool pareil. Headbang. Je pense que la réponse du public a été assez bonne là, pour Obey the Brave. C'était toi qui étais attendu. Vous avez teasé pendant quasiment un an. Un photoshoot par-ci, par-là. T'es là, asti, ça s'en vient-tu? Quand ça a sorti, je pense que ça a explosé et tout le monde était bien content. Là. Ah, tu sais, c'est bien important. De... Surtout de nos jours, il y a tellement de groupes, la scène est inondée, tout ça. Fait que tu sais, nous on a décidé de prendre notre temps. On a tout composé, on a tout préparé, tu sais. C'est plate, t'sais, on n'a pas le choix de jouer la game nos jours, t'sais, fait que les vidéos, photos, albums, tout le kit, une fois que tout était prêt, c'est là qu'on a décidé d'annoncer le groupe, de sorte qu'on avait tout le temps quelque chose à... T'sais, on avait tout le temps un genre de follow-up, t'sais, juste par respect pour ceux qui nous encouragent aussi, puis on prend ça à cœur aussi, man, c'est notre job, c'est notre passion, fait que on fait ce qu'on peut, man. Si vous aviez un message en terminant pour les kids qui look up to you, là, dans...
qui ont vu d'espèces comme Chris, ce band-là, sont partis de Montréal, de Longueuil, ils sont rendus fucking des World Tour. Puis, qu'est-ce que vous diriez à des jeunes qui commencent à faire de la musique ou des fans? De le faire pour les bonnes raisons. De le faire avec passion, de le faire avec détermination. Il y a vraiment beaucoup d'événements ou de moments dans ma vie où j'étais sur le bord de lâcher. Parce que faut s'entendre, c'est comme le chemin difficile, c'est beaucoup de sacrifices, etc. Puis là, looking back, les années antérieures, je suis content d'avoir persévéré justement, d'avoir mis les bouchées doubles, d'avoir fait les sacrifices. Puis regarde, le résultat, c'est ça. Fait que, bref, si tu le veux, man, travaille. Y'a pas personne, si quelqu'un dit non, man, cogne sur une autre porte jusqu'à temps que quelqu'un dise oui. Puis, je sais pas, man, travaille. On joue de la musique, on se fait du fun, mais c'est comme n'importe quoi, man. Dans la vie, il faut travailler. Ben, merci les boys, ça fait un plaisir. Puis bonne chance dans vos futurs projets. On espère qu'on va vous revoir sur d'autres bands, puis on va continuer à vous suivre. Merci de garder la scène québécoise vivante, les boys. Garde la tête froide! Garde la tête!